Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo je vais vous aider à réaliser le défi qui est d'attraper du poisson. Alors pour débloquer un masque de native, il faudra attraper 20 poissons et pour ce faire j'ai une petite astuce pour vous. Donc un emplacement sur la map de Fortnite où il y a énormément de poissons à récupérer, en plus on dirait que c'est fait pour parce que dès que vous arrivez sur cette petite île, eh ben, il y a une canne à pêche, voire même 2, 3, 4, 5 cannes à pêche à récupérer. Donc je vais vous montrer l'emplacement, donc c'est juste à côté de Cover Caverne, donc à côté de Logjam et au-dessus du camp Cuddle. Donc c'est juste ici, regardez, il y a une petite île et sur cette petite île, vous allez pouvoir récupérer plusieurs cannes à pêche et vous allez voir que quand je vais me rapprocher de cette île, il y aura énormément de coins de pêche. Donc là, je descends et regardez bien, déjà on peut voir deux coins de pêche, donc les ronds de pêche, là où on peut pêcher du poisson, voilà, tout simplement. S'il y en a un troisième, quatrième, cinquième un peu plus loin, sixième, septième, huitième, neuvième. Voilà, il y en a une petite dizaine. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez pêcher plus de poissons que 20, hein, ben, c'est de venir par ici, de prendre de la pierre. Voilà, comme ceci, vous prenez de la pierre. Et ensuite, vous cassez aussi... est-ce que je peux casser le truc là ? Ouais, parfait. Vous cassez le maximum de pierres que vous puissiez prendre. Voilà, vous cassez l'arbre, enfin le sapin. Là, vous prenez la tyrolienne, vous dirigez en bas et vous pouvez casser toutes les pierres. Et ensuite, comme ça, ben, vous pêchez tous les coins de pêche qu'il y a autour de cette petite île. Ensuite, vous allez soit par là et vous continuez la rive ou soit vous continuez par la rive par là. Donc ça, c'est à vous de voir où est-ce que vous voulez continuer votre chemin. Mais prenez bien de la pierre pour pouvoir construire. Donc là, regardez, il y a parfois une canne à pêche qui vous attend en plein milieu ici. Sinon, il y a deux tonneaux de pêche. Donc là, c'est obligatoirement, vous aurez au minimum soit une canne à pêche, soit deux, voire trois cannes à pêche. Et il y a toujours un deuxième tonneau de pêche qui est toujours là. Donc voilà, qui vous donne aussi des cannes à pêche. Donc ça, c'est obligatoire, hein. Il y aura toujours les deux tonneaux que je viens de casser. Donc ensuite, ben, vous pêchez dans des coins de pêche jusqu'à temps de pêcher 20 poissons au total pour terminer le défi. Donc là, regardez, je suis à 7 sur 20. Donc si je veux, ben, je continue et je pêche dans tous les coins de pêche pour terminer mon défi. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo d'informations et d'astuces. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace. Yummy, bruh. Yummy, bruh. Yummy, bruh.